cette fois-ci, le chat de proximité vous est utilisé. Ah, y a le oh non, encore tueur, j'en ai marre là. Ouais, ça va partir en c'est vrai. On va partir. Ok, déjà, je suis persuadé que c'est fusil. Je suis persuadé que c'est fusil qui a été. Qui est tueur. Déjà, j'en suis persuadé. Je pense que fusil est encore une fois tueur. Donc ça c'est obligatoire. Par contre j'ai de la chance, je suis détective, alors je vais analyser. Donc je vais directement attendre qu'il y ait quelques morts. Et puis directement je vais analyser. Ah par contre ils m'entendent, faut que je me coupe là, faut que je me coupe mon micro. Voilà, comme ça ils pourront pas m'entendre. Ils pourront pas m'entendre parce que là eux aussi ils m'entendaient. Je vais devoir jouer avec le micro. Faut être sûr que vous puissiez m'entendre mais pas eux. Alors on va faire un truc tout bête. La fleur elle est là. On va aussi essayer d'enquêter. Parce que mine de rien vous aurez beau dire ce que vous voulez, mais je suis persuadé que fusil est la tueuse ou tueur. Je sais pas si c'est un garçon de fille. Je pense qu'il y a du tueur dans l'air. Donc on va essayer de résoudre cette enquête. Qui me paraît plutôt cool. Ok, là on est bon. Ok. Tac, tac, tac. Ok, ça me paraît pas mal du tout. On va pouvoir continuer. On va essayer de choper les fleurs. Ça c'est fait, maintenant on va pouvoir rentrer dans le manoir, on va commencer notre enquête. Attends. Oula, attends, Super Bibou. Attends. Oula. Attends. Oh non, pas Super Bibou. Il sera. Quoi? On est d'accord. C'est toi qui as tué Bibou? Vous avez vu tout à l'heure, vous deux? Alors attendez déjà, parce que c'est Sisa qui a. C'est Sisa qui a signalé, donc laissons-la parler et après on pourra commencer à accuser Isra. Alors le problème c'est que j'ai signalé sans regarder dans quelle pièce on était. D'accord. Ok vous... déjà super. On va aller bien loin avec ça. Vous savez... Alors attends, je vais vous expliquer. D'accord. Vous savez c'est au milieu mais pour sortir dehors. Vous avez ouais, des pièces en bois là. Finalement. Ouais. Voilà donc là je l'ai retrouvé là décapité en deux. D'accord. Alors okay, moi j'étais. Ah ouais. Moi j'étais tout à droite sur la partie. D'accord. J'ai vu Mitrix et Val ensemble quand les lights étaient éteints. Après, je suis partie dehors à droite. Ouais, pour faire mes tâches vers la douche. Mmh. Et une petite question. Les lights, elles te dérangent pas trop, ça te va? T'es pas assez une question comme ça, moi. De quoi? De quoi? Et les lights, ça te dérange pas trop, Isra? Ça te va? Elle allume Isra qui les a réparé, les lights. Mais du coup, juste pour vous dire, Val est vraiment safe. J'étais beaucoup avec lui tout à l'heure, mais. Moi, je vais accuser Fuji. Et malheureusement, je peux pas vous dire pourquoi maintenant. Je pourrais le dévoiler seulement à la fin de la vidéo. Bah, t'as déjà dévoilé. Bah, je confie. Mais je pense sincèrement que c'est Fuzzy. Et sincèrement, si je me trompe, Fuzzy, si je me trompe, je te prie sincèrement de m'excuser. J'ai fait quoi? Bah, je te le dirai un petit peu plus tard. Mais je pense sincèrement que c'est toi. Si c'est pas le cas, vraiment, au plus profond de moi-même, je m'en excuse sincèrement. Moi, je skip. Je sais pas. Oula. Moi je baille. J'espère juste que je ne suis pas planté, sinon j'ai l'air vraiment d'un débile. Allez, dis-moi que c'est toi. Yes. M'en doutais que c'était lui. Je m'en doutais que c'était lui, c'était obligatoire. Je m'en doutais. J'avais dit que c'était lui, direct. C'est bien, Sisa, t'as bien fait de m'écouter. Bah ouais. Après, je suis un peu naze. Ah, mais c'était sûr que c'était lui, je m'en doutais de ouf. Je pouvais le dire, je le dirai qu'à la fin. Pas dans cette pièce. Les gars, je vous l'avais dit que c'était. Ouais. Par contre, Isra, il t'a voté pour toi. Isra, ouais, mais Isra, c'est sûr que c'est lui le prochain. Moi, je pense que je vais voter contre lui. Bah oui, bah c'est ce que je t'ai dit. Ah, t'as le petit. Tu fais comme faire n'importe quoi là. Il est passé. moi, j'ai passé, moi. Ah, mais moi, je. Attends, tiens, un dé. Non, t'es pas tranquille. Je t'ai déjà analysé. J'ai des tâches à faire, moi. Parce que moi je suis pas du. Ah mince. Oh non. Ok. Isra, j'ai des gros suspicions sur toi. Je pense pas. Ensuite, une autre chose. C'est toi l'andouille. Ok, c'est Isra. Ouais, mais moi je vote quand même pour Isra, on sait jamais. En plus, il a voté pour un dé. Et ensuite, une autre chose, arrête de faire des zigzags partout. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Il a voté. Et en plus tu votes pour moi, Isra. Je pense pas que ce soit lui. Non, c'est pas lui, c'était sûr que c'était pas lui, c'était logique. J'ai une info qui peut tout changer. C'était sûr que c'était pas lui. J'ai voté contre lui mais j'étais bête, j'aurais pas dû. Ouais, parce que c'est non, toi. Non, j'ai pas fait exprès. C'est moi. Ah non. Je pensais trop que c'était lui. Non, c'est pas moi. Vache plein de innocenté, je sais que t'as tué personne. Ah bah. Et en plus, il y a quelqu'un qui est mort pendant qu'on était tous les trois, donc. Bah d'ailleurs on va se splitter un peu sinon c'est pas trop du jeu. Ouais, carrément. Bonne tâche. Merci. Ouais.
Ok, moi je suis persuadé que c'est... Val, je sais pas, il a tué personne pour le moment. Mais je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, je me pose beaucoup de questions, en vrai. En fait, si vous voulez, ce qui m'a donné envie de voter fusil, c'est que... Il a utilisé un ticket tueur. Et depuis le début, j'en ai utilisé un pour devenir tueur aussi de mon côté. Et à chaque fois, je sais, à chaque fois, je ne l'ai pas pris en compte, il n'est pas utilisé. Ce qui montre bien qu'il y a bien effectivement quelqu'un d'autre qui utilise un ticket. Et depuis le début, c'est Fusil qui a annoncé tout à l'heure entre deux, ah, il utilise un ticket. Donc quoi, à force de trop utiliser, à la fin, on n'est plus crédible. Lolo. Val. Val. Si. Bah non. Val. Reste avec moi. Reste avec moi. Gugus. Comment tu sais que c'est Gugus? Sinon, ce que tu fais. Okay. Ah bah, il est là. Ok, bon, perso, vous deux, vous êtes safe. Val et Electric, vous êtes safe, c'est sûr à 1000%. Ouais. Et j'ai, non, je suis safe, je suis safe, mais incroyable. Par contre, Andy, il m'a... Attendez, Val et News. Je l'ai vu, non. Ouais, vous voyez, la... Alors, la news, c'est que Gugus est vraiment bizarre. Attends, laisse-le parler, s'il te plaît. Il a une Val à dire, il la donne. Chacun son toit. Ah, mais c'est incroyable. Vous voyez la cheminée, là, quand on met le bois? Ouais, ok, je vois. Et bah, avant de faire cette tâche, il faut couper le bois. D'accord. J'avais jamais fait le rapprochement entre ces deux. Gugus. D'accord, c'était ça la news? C'était ça. Sincèrement, c'était ça. Ah ouais, mais toi, c'était ça, mais j'aime bien en mettre t'es un suspect, peu. Gugus. Et je te jure, je vais te surveiller. Ok, moi. c'est bon, moi j'y vais, je sais que c'est lui. Oh non. Voilà, je le savais. C'est Gugus. Non. Je me barre. Je me barre, surtout pas qu'il me trouve. Je me taille, surtout pas qu'il me trouve. Non, mais non, je le savais que c'était lui. Je l'ai annoncé que c'était lui. Bon, normalement, il va mourir quand même. Mais oui, mais il m'a tué, ouais. C'était en train de torcher. C'était sûr. C'est ouais, c'est bon, Val va trouver la réponse. J'ai bugué, j'ai dit Val, qu'un soir. Je savais que c'était Val. Bon, bah, c'est Gugus. Je peux lui dire, ok, je sais c'est qui. Il veut que je sonne la cloche là. Ah, il n'y a plus de lumière. Ah, un dé est mort. Ah, bah, super. C'est Gugus. C'est bon, on a gagné quand même, les gars. On a gagné. Si vous voulez, un dé, bon, je dis un peu sourd, je pense qu'il était. On est bon. Un inspecteur. Oui, exactement. Et il a dit que c'était Gugus. À 100%. Ouais. Et puis à ce moment-là, après, il y a une lumière qui s'éteint. À ce moment-là, il y a plus de lumière et un dé est mort. Et puis un dé meurt. Ah, en plus, une autre chose. Mais moi, Gugus a fait beaucoup de zigzags quand je. Oui, il m'a fait très bien aussi. En ce moment, il était avec. Ah oui, j'ai calé dans la bibliothèque. Votez Gugus. Val était avec Mitrix, c'est ça? Ouais. Il était avec moi. On était même avec un dé et on a couru vers la cloche. Ah bah là, puis à ce moment-là, il y avait la lumière. C'est éteint. Okay. Merde, il est mort en dehors de la. Gugus! Je pense que c'est toi. Mais quoi? Et ouais, c'est Gugus dans la bibliothèque, j'étais parti faire mes tâches. Non, t'étais pas à la bibliothèque, t'étais vers la cloche. Non, mais après, je suis parti dans la bibliothèque. C'est calme, reste calme. Je savais que vous alliez aller. On sent la passion et l'ardeur dans sa voix. Non, mais c'est bon, Gugus, je te vote pour toi, c'est toi. Vas-y, je suis vaincu. Attends, et ici la belle. Gugus, t'es les gars. Croyez-nous. Attends, est-ce qu'on peut écouter l'outil 5 minutes? Oui, bien, c'est ça. Bah, je faisais mes tasks. En fait, ça se trouve, c'est les deux imposteurs là. Mais Gugus, laisse passer par les. Près de la cuisine, je les ai vus tous réunis là. Ouais. Les gars, vous avez gagné, vous avez gagné, c'était sûr. Ok, bon bah. Ah, yes, ah, ouais, franchement, bien joué. Ok, alors me voilà invité, je me suis invité pour pas que les gens s'en. C'est bon? S'il te plaît, Indé, ne me tue pas. Je peux pas te tuer. Je n'ai pas utilisé de ticket. Je peux pas te tuer. Je n'ai pas de ticket. T'inquiète, okay. je peux pas te tuer. Donc, ouais. Je suis là. Ça va, Super Bibo? Bon, j'ai posé une question, j'ai pas écouté la réponse. Pas des choses qui se font, ça d'habitude. J'avais un pote qui faisait ça et te posait une question. Ça va ta journée? Ouais, c'est cool. Ouais, bon, en fait, ouais, super. Oh, qu'est-ce qui se passe? Déjà? Moi, et puis si alors, on sur la cloche. Mais bon, on vient de voir les corps, on est sur la cloche. Moi et Val, on vient de alors, voir les corps. Puis-je parler? Moi, j'ai rien vu avec les lights fermés. Attendez, du coup, Val, du coup, tu me dis que. Je vais distribuer la parole si tu veux, ce sera plus fluide peut-être. Val, du coup, tu me dis que t'as sonné et t'as trouvé le cadavre sur la cloche, c'est ça? Non, j'ai pas sonné la cloche, j'ai sonné le cadavre. Enfin, oui, je pense. T'as reporté, mais qui était sur la cloche, c'est ça? Ok. Oui, à droite de la cloche. Ok. Puis à côté. Est-ce que t'as vu quelque chose? Non. Bah non, il y avait les lumières déteintes et j'ai vu le bouton et puis voilà, hein, j'ai appuyé. Alors, ce qui va me desservir dans l'histoire, c'est que Fusil me dit, me tue pas stopper. Je lui dis, je peux pas.
on s'est séparés, elle est morte. donc t'as des chances que ça me desserve un peu. Du coup, Mitrix, tu souhaitais dire quelque chose. Je t'en prie. J'aimerais parler. Fais-toi plaisir. Alors, j'ai vu Fusil et Super Bibou ensemble tout à l'heure, avant qu'on fasse le courant. D'accord. Je sais, et aussi Val. Après, je sais pas si c'est... je sais pas si c'est Bibou ou pas, mais à moins qu'ils soient séparés. Mais ce qui est sûr, c'est que Bibou était avec Fusil. D'accord. Après, je sais pas le reste, car je suis parti pour les autres tâches. Attends. Bibou était avec moi, Fusil. Moi, j'avais vu Super Bibou dans la photo, dans le salon, là, il faisait la photo dans le salon. Gus Gus explique que Super Bibou est apparu, tu sais, au niveau de la photo dans le salon. Donc du coup, là, voilà. Pour être honnête, j'ai l'impression que c'est un peu le cafouillis. J'aurais tendance à skipper. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi aussi, je skip. Ouais. Ouais, là, on n'a pas les skippers. Par contre, après, on peut mettre une petite pastille sur Super Bibou aussi. Oui, parce que là, son nom a été cité plusieurs fois. Oui, on le garde en tête. Louti, est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que comment on mange, je préfère te demander direct. Non. Je lutte pour bien vous entendre. D'accord. Elle a quelques petits soucis de micro. Et Gizmo, là, t'arrives à parler ou ça se passe? Ah ouais, bah je suis là, hein, t'inquiète pas. Ah ouais, bah, je sais pas, elle était muette depuis tout à l'heure. Je dis, mais t'as un problème. Gizmo se fait discret. Ah ouais, bah il se fait discret, il a peur de. Ah ouais, c'est bizarre ça. En fait, Gizmo, t'as pris ton spectacle. Bah franchement. Je taquine avec ça. Ok, donc ça c'est bon, la photo, bam, ici, bam, ici, c'est fait, hop, là, on est bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-ci. Maintenant, à voir, oh, j'aime bien mon petit, mon petit kangourou, il fait des sauts et tout, c'est cool, c'est trop mignon, j'aime bien. Je vais l'appeler kangourou, kangourou. Ça va, Gus Gus? Ah, je crois qu'il est déjà parti, du coup. Ok, ça me paraît pas mal du tout, cette histoire. Là, je pense qu'on est un bain. Ok. Est-ce que par là, il y a ce qu'on pourrait appeler plus communément un truc à faire? Ah, c'est de l'autre côté. Franchement, j'ai aucune info sur quoi que ce soit. Sincèrement, Je doute totalement de ce qui peut se passer, pour être honnête. Donc, bon. Là, j'ai aucune info. Je sais pas qui ça peut être. Franchement, je suis un peu étonné de ce que ça donne. Ah bah tiens. Alors, Isabelle, vas-y, on t'écoute. Alors, déjà, j'ai failli pas voir le cadavre alors que je suis passée juste à côté. Bref. Du coup, il était dans la cuisine. Par contre, malheureusement, j'ai rien vu parce qu'il y avait personne avec moi. Ok. Donc, je peux rien dire. Je peux juste te dire qu'il était dans la cuisine. Alors, j'ai une info aussi à donner, okay. Si vous voulez bien. Donc, j'ai fait mes quêtes tranquillou. Hein. Comme d'hab, j'ai redressé un tableau. Enfin, je fais ce que j'avais à faire, quoi. J'ai réparé des tuyauteries, machin. Je suis descendu pour aller vers la cam, vous savez, tout en bas à droite. Et je suis tombé sur le cadavre tout chaud qui sentait un petit peu le poisson bleu de Isra. Et avant de mourir, il m'a dit super Bibou et clac, il a lâché son dernier souffle. Alors, du coup, tu me parais un peu suspect du coup en Dédé. D'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, dis-moi tout. J'ai hâte de t'entendre. Alors, il y avait la caméra allumée et du coup, je suis allée faire le tableau, tu sais, pour le remettre droit. Et après, je suis allée dans la cuisine. D'accord. Et après, j'ai découvert le truc de Mistrix, enfin le cadavre. D'accord. Et là, tu me dis qu'en allant aux caméras. T'as vu Isra? Bah en fait, si tu veux, j'ai fait mes quêtes et tout. Je suis descendu pour aller justement vers les caméras. Et en fait, si tu veux, j'ai pas le temps d'être aux caméras. C'est-à-dire que c'est vraiment à la sortie, tu sais. D'accord. Tu sors du garage. Okay. Et c'est entre eux. C'est vraiment à la sortie du garage. Donc c'est vraiment, si tu veux, entre la sortie et les caméras. Et là, je comptais passer tout à droite pour remonter, ce que j'ai des trucs à faire dans le jardin. Maintenant... Descendu où? T'étais descendu de tout à droite pour remonter après? Ouais. Non, le garage, il est à droite, justement. Donc moi j'ai fait mes quêtes dans le couloir. Ah oui, tu venais du garage et t'es descendu. Là non, j'étais dans le couloir et je suis descendu parce que j'avais des quêtes à faire dans le couloir machin pour le tableau. Je suis descendu vers le garage qui était l'endroit le plus proche pour pouvoir remonter. J'avais pas repartir tout à gauche, remonter à la gauche. Ah oui, parce que là tu voulais aller dans le manoir, c'est ça? Non, justement, je voulais remonter dans le jardin et aller tout à droite, une grande allée. Et tu venais du manoir. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça, je venais du manoir. Et dis-moi, tu faisais quoi? Moi? Donc t'as croisé Susan? Non, pas du tout. C'est ça qui m'étonne. Ouais, c'est bizarre ça. Ok.
Parce que Cisa, il arrive. On t'entend pas pour l'instant. Corps, t'arrives par où, Cisa? Au niveau de la cuisine. Il était où? Au niveau de la cuisine. Je vais réparer les photos parce que je sais pas qu'il y a des photos. Peut-être dû vous croiser. Je vais vous dire un truc. En vrai, je sais pas là. Tout à l'heure, je suis là-haut. D'accord, donc l'outil est dans le bois, tout en haut, en haut. Bah, du coup, moi, j'ai une pastille sur Cisa, Gizmo et Super Bibou. Pour moi, c'est sympa. Bah, en vrai, Gizmo, je sais pas, tu là, dis hein. rien. À un moment donné, on était en pleine lumière, justement, qui était éteinte. Je vais justement pour l'allumer. Ah, c'est moi qui ai rallumé le courant. Hein. Mais t'as, c'est pas... Non, ah, c'est faux. Non, si. Ah, c'est bizarre. T'es un mytho. Ah non, la première fois. Mais qui c'est qui a voté contre moi? Mais arrêtez. Mais pourquoi vous votez contre moi? Vous faites une erreur là, les enfants. Vraiment, vous faites une erreur. Je suis safe comme gars pour une fois. Non, c'est incroyable. Ils sont en train de faire une big erreur. Val est en train de faire sa quête. Donc Val me paraît safe. Ah, j'aurais tellement voulu Gus Gus le tuer devant mes yeux. Comme ça m'aurait permis d'être tranquille, quoi. Super Bibou. Gus Gus arrive. Je suis persuadé que c'est Gus Gus. C'est Gus Gus. J'en suis persuadé que c'est Gus Gus. Je suis persuadé que c'est lui. Croyez-moi, c'est Gus Gus. J'en suis mais plus que persuadé. Je pense que c'est lui. Bon, j'ai fait une petite quête en ce cas. Je me suis barré parce que j'ai senti descendre vers la caméra pour me tuer. Et je pense que c'est grosse pastille sur Gus Gus. Je vais tenter de le sonner. Je peux mourir, hein, mais je vais tenter de le sonner. Je pense que c'est Gus Gus. Ouais. Alors, j'ai trouvé. Vas-y, Cisa, après, j'ai un truc à dire. Gizmo, ouais, ok. J'ai trouvé Gizmo dans le couloir. Gus Gus, tu me parais hyper suspect. Bizarrement, les bombes se sont mises à exploser. Et bizarrement, t'étais juste devant. La deuxième bombe, tu étais avant moi et c'est moi qui l'ai faite. Donc, je t'accuse. Voilà, alors, c'est fini. J'ai juste un truc à dire. Mais quoi? Moi-même, j'ai déjà aussi voté contre Gus Gus. C'est toi, caméra. Et c'est sûr. Je suis persuadé que c'est lui. Moi j'ai j'ai mis en placement proche des bombes de Super Bibou, je crois tu l'as croisé dans la forêt. Donc pour moi c'est Super Bibou et Gus Gus. Alors moi je pense mais que c'est sûr. Ah mais je pense Bibou, je pense que t'as raison Adé. Non, je suis persuadé que c'est mais Val. Tu m'as vu que j'étais en haut et les bombes elles étaient en bas. Gus Gus, pas besoin de te défendre. Bah, ouais mais tout, non, t'étais à côté de Super Bibou. Gus Gus c'était juste c'est, un bon. C'est sûr, non, c'est un Gus Gus. Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est sûr. Gus Gus. Mais un dé, il a toujours raison. Et regardez, Super Bibou vote contre moi. Comme par hasard. Non, c'est Super Bibou, c'est obligatoire. Ah merde, c'était pas lui. Oh non, c'est fait avoir, c'était pas lui. Oh non, mais c'est qui alors? Pire, toi. Je te jure, j'ai cru que c'était lui. Non, je te jure que j'ai vraiment cru que c'était lui. Mais je te jure que c'est pas moi. Je me suis fait avoir aussi. Vite la bombe, vite. Oh, on est mort. Vite. Oh, Cisa l'a sauvé. Mais il me tue devant tout le monde. Non, c'est Val. Non. Non, vous m'avez brain. Toujours raison. Non. Oh, désolé, Gus. J'étais persuadé que c'était toi, mais vraiment. Gus Gus, c'est Super Bibou, c'est sûr. Non, mais non. Bien, ouais, franchement, bien joué, Val. Vraiment. Oh, l'outil. Jamais... Oh non, j'y croyais pas. Vous étiez deux plus safe pour moi. Non, bien, ouais. Franchement, moi, bien joué. Que...